Salut, aujourd'hui je vais vous parler de ce très joli ring light que j'ai acheté chez Action pour vraiment vraiment pas cher, 10,95 €. À ce prix, vous avez le ring light qui est assez grand et équipé d'un support de smartphone inclinable au milieu avec une télécommande qui permet de choisir la luminosité et la teinte puisqu'il intègre des LED blanc froid, blanc chaud. Et lorsqu'on met les deux ensemble, ça fait un blanc naturel. Et c'est fourni avec un trépied assez volumineux, mais qui a le grand intérêt d'être réglable entre 71 cm et 2,10 m, ce qui fait un trépied vraiment très intéressant. Il est en plus équipé d'une rotule tout métallique. Franchement, c'est du super matériel. Tout ça est fourni dans le carton qu'on voit là-bas. C'est alimenté par USB. Il faut une alimentation USB costaud puisque ça consomme 10 watts. Et ça reprend ici les caractéristiques. Inclinable, rotule, télécommande, support de téléphone, réglable et trois teintes. Alors forcément, c'est chez Action, donc il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde puisque dans le magasin dans lequel j'ai été, il y en avait 5. Le précédent, je l'avais acheté 18 €. Certes, fourni qu'une hausse de transport, mais il n'a qu'une teinte et pas de réglage de luminosité. Celui-là, comme on peut le voir. La puissance consommée sera de 10 watts avec une alimentation plus costaud. Ça, c'est une batterie qui ne sort pas plus d'un ampère 8, ce qui est déjà pas mal. Si je mets les boutons plus et moins, je vais pouvoir augmenter ou baisser la luminosité. Et ici, je suis en blanc chaud, blanc froid et blanc naturel. La consommation électrique est de 10 watts au maximum en blanc naturel et 8 watts. Si on est en blanc chaud ou en blanc froid, puisque ça fait intervenir moins de LED. Pour ce qui est du trépied, bah, ça ressemble beaucoup à l'ancien modèle que je dispose, sauf qu'il est plus grand, comme je le disais. Donc on peut écarter plus ou moins les pieds suivant si on a de la place et suivant si on veut de la stabilité et deux niveaux de réglage. Bon, ça fait un peu cheap, hein, certes, c'est de l'acier tout bête. Mais ça fait carrément le job. Et comme on peut le voir, ça monte très très haut. Donc voilà, je ne saurais que vous conseiller ce genre de choses si vous voulez vous amuser un petit peu sur du bricolage ou sur des lives. Allez, ciao!